Salut à tous, bienvenue dans la Casus TV. On inaugure aujourd'hui un nouveau principe d'émission. Essayez de vous présenter un produit en moins d'une minute trente. Top, c'est parti. J'accueille aujourd'hui Damien C. Damien C, dis-nous tout. Alors ça part très vite, donc je vais essayer d'aller vite. C'est le kit du meneur de jeu Casus Belli. Alors il se trouve que ça a été offert à tous les participants de la précommande participative Héros et Dragons qui ont précommander la boîte d'initiation, et pour les autres, il faudra se procurer en boutique, ça sort très prochainement, vite, vite. Combien de temps nous reste-t-il? Il faut se dépêcher. 1 minute 10 pour ouvrir tout ça, qu'est-ce qui se trouve dedans? Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On va trouver d'abord une surface de jeu effaçable, avec feu de Velleda, voilà, d'un côté pas de quadrillage, comme ça c'est pratique pour tous les jeux de rôle, et de l'autre, un quadrillage pour ceux qui utilisent des figurines 28 mm, je crois que c'est 28 mm, oui c'est ça. 28 mm, et donc on peut dessiner dessus, ça s'efface, super. Voilà, super. Et à côté de ça, il y a un kit du combat Casus Belli, pardon. Alors, kit de combat Casus Belli, c'est très pratique pour tenir l'ordre d'initiative avec ces petites magnettes que tu vas nous montrer, que tu vas nous arracher. Hop là, tout de suite, hop, des magnettes de différentes couleurs sur lesquelles vous pouvez écrire votre nom, le nom de votre personnage, le nom du monstre, tout exactement. Ce que vous voulez. Intercaler les ordres et puis noter par tour de jeu ce qui s'y passe avec un petit décompte exactement. Et voilà. Fin du time stop, round 9. Mais également, de l'autre côté, il y a une surface vierge, comme ça pour ceux qui n'utilisent pas le kit de combat, ils peuvent s'en servir également pour leur partie. Voilà, c'est très pratique pour presser des plans, etc. Super. Et des choses. Oula, on a bientôt fini. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce n'est pas tout. Nous avons dans ce petit sachet, oulala, ça tombe des crayons Casus Belli, des gommes Casus Belli également, avec le petit crapounia de Didier Guiserix pour transmettre la fin du jeu de rôle. Est-ce qu'on l'a bien vu? Oui. Hop, et également le feutre effaçable, voilà, très pratique. Comme ça, avec ce kit, vous pouvez faire face à toutes vos parties à tout moment. Merci beaucoup. Et on a réussi.